Ouais. Ouais, ça y est, je rentre à la maison là. Oui, mon cœur. Oui. Ouais. Oui, je suis dans le hall là, ça va, je prends le courrier. Ouais. D'accord. Tu veux que je te prépare ton petit plat préféré, mon cœur? Oui. Oui, la vaisselle, je l'ai faite ce matin. Ouais. Bah, ça va, je suis pas macho, je peux la faire. Oui. Oui, mon cœur. Oui, je t'attends. T'as mis la rouge? Je suis pressé de te voir, mon cœur. Ouais. Oh, chérie, ils sont encore là. Ils sont encore là, chérie. Comment ça, qui ça? Bah, les squatteurs. Combien ils sont? Bah, 4, comme d'habitude. Chérie, qu'est-ce que je fais? Hein? Bah, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils sont en train de me regarder, je crois qu'ils se foutent de ma gueule, là. Bah, comme d'habitude, ils sont là à me regarder. Oui. Bah, est-ce que c'est des jeunes? Bah, je sais pas jusqu'à quel âge on peut dire qu'on est jeune, quoi, c'est... Bon, vraiment, pour pas être hors sujet, je vais dire que c'est des jeunes. Bon, c'est des jeunes qui s'habillent comme des vieux, quoi. Ouais. Non. Et si tu veux mon avis, en plus, chérie, je vais te dire un truc, je crois qu'ils font dans l'illicite. Bah, moi, pour moi, ils vendent de la drogue. Ah, c'est sûr. Bah, comment t'expliques qu'ils roulent dans des voitures de luxe, qu'ils ont un train de vie dément, alors qu'ils font rien toute la journée, ils sont assis, ils font rien. Bah oui. Mais je t'assure, chérie, tous les jours, quand je rentre à 18h, ils sont là, ils font rien du tout. Ils sont là à critiquer les gens, à les juger, tout ça. Bah quoi, ils sont pas méchants, ça c'est toi qui le dis, chérie. Avec moi, ils sont agressifs, il y en a une, la dernière fois, elle m'a acheté de l'eau dans mes chaussures. Je te jure. Oui, mais non, mais... D'accord, mais... Ouais, mais... Ils me font peur, chérie, je te jure, ils me font peur. Hein? D'accord. Oui, oui, je te rappelle tout à l'heure. D'accord. Je te rappelle tout à l'heure. Moi, je vais demander au concierge de les virer. C'est pas mon boulot de faire ça. Moi, Monsieur Michalak. Mais c'est votre travail de virer les squatteurs. Pourquoi vous les laissez comme ça? Ils ont... Mais virez-les, faites quelque chose. Ça part pas après, ça, hein. Vous pouvez pas les... Très bien. C'est vrai qu'ils font de la peine avec leurs petites bouilles, comme ça. Bon, je rentre à la maison, moi. Oh, mais ils me font de la peine. Tenez, vous achèterez un kebab? Vous achèterez un kebab, vous prenez des frites, tout ça, vous essayez de manger, mais restez pas là. Bon, moi, je veux bien que vous restiez ici, mais vous faites pas de bruit, hein, pas comme la dernière fois avec votre tambour, là, on n'en peut plus, nous, avec les collègues, là. Ça va, quoi? On en a jusque là. Hein. Tenez, monsieur Michel, vous sortirez mes poubelles, s'il vous plaît. Comme d'habitude. Ils sont encore là. Ouais, non, mais... Il faut faire quelque chose, hein, monsieur Michel, ne les laissez pas ici. Mais vous avez rien d'autre à faire que de rester ici à rien faire, franchement. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous en arriviez là? Vous n'avez pas de vrai travail, vous avez... Hein? Vous avez l'air pleine de bonne volonté, en plus. Vous, par exemple, mademoiselle, vous avez l'air quelqu'un de bien. Je vais faire quelque chose parce que c'est vous, hein, mais... Oui, oui, Jean-Pierre. Ouais, c'est Ahmed Silla, service informatique. Dis-moi, j'ai une jeune, là, pleine de bonne volonté, super dynamique. Ouais. Dis-moi, est-ce que t'as un petit poste pour moi, s'il te plaît? Ouais? Oui, tout ce qui est manutention, ménage, t'inquiète pas, ouais. Ouais. Par contre, tu fais attention, elle aime pas qu'on lui tende un torchon, hein. D'accord, allez, je t'embrasse. Commencez lundi à 9h, d'accord? Pourquoi vous restez là? Qu'est-ce que vous cherchez, là? Hein? En plus, à cause de vous, il n'y a plus personne qui veut revenir habiter dans l'immeuble, hein? On a demandé à tout le monde de déposer des candidatures à castingondar@gmail.com, il n'y a personne qui... Pas une réponse! Mais parce que vous faites peur! En plus, moi, ce soir, j'ai une visite pour vendre l'appartement, là. Hein? Vous croyez que rester là, comme ça, à squatter, ça fait propre? Franchement. Hein? Franchement. Essayez d'aller de l'avant, quoi. Très bien. Bon, je voulais pas en arriver là, mais puisque vous cherchez, j'ai appelé la police. De toute façon, vous ferez moins les malins quand ils seront là. Hein? Moi, j'ai de la patience, mais ma patience a des limites. Hein? Squatteur. Ouais, c'est bon, là. On est arrivé dans l'immeuble, là. C'est bon, on va y aller vite avec ces gens-là, parce que là, faut vite les virer, ces gens-là. Hein? Hein? Bah, je crois qu'on va se dire adieu. Bonjour, Bamboula. Tu vas me donner tes papiers, s'il te plaît. Oh, mais pas du tout. Mais non, 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 mais vous vous trompez.
Vous trompez, c'est eux, les squatteurs. Moi, je suis chez moi, ici. Hein. Ici, tu es chez toi, ici. Ici, on est en France, alors... Mais non, mais monsieur, mais c'est vous, monsieur. Ne vous inquiétez pas, on vous embêtera plus. Mais monsieur, mais c'est eux, les... Mais monsieur, c'est pas moi, monsieur, vous dites...